Donc, bénisse la première mi-temps à une joueuse de Boloul. L'équipe en face était bien en place. Mon commandant qui a fait le match avec les ballons blancs pour retrouver la défense. On a corrigé le tir, on a essayé de jouer un peu plus au ballon. On s'est créé un peu plus d'occasion, on a monté plus la pression que je mettre à l'adverse. Il y avait des occasions, une parmi les occasions, elle a amené un but. On aurait pu mettre plus comme on aurait pu rien mettre ce soir. L'essentiel de l'une l'attention était bien. Les joueurs, on a joué à l'offensive. L'esprit de gagneur qu'elle a joué au football. Je sais que j'ai fait des changements offensifs vers le football. Les joueurs, parce que le compartiment complet, Et en plus, aujourd'hui, on n'a pas vu la prestation escomptée. Est-ce que vous rassurez le public que d'ici 2 ou 3 journées, les choses vont s'améliorer? Je pense qu'on était quand même au-dessus de l'adversaire ce soir. On est chez nous, on a joué au match chez nous. On a mis la pression. Plus que ça, on ne peut pas faire. Mettre la pression et puis attendre une amélioration d'un match à l'autre. L'équipe, elle est nouvelle à plus de 80%. C'est clair qu'on ne peut pas toujours mettre ça comme excuse, mais on est deux à faire le match, il y a aussi l'adversaire. On ne joue pas contre des cartons, on joue contre des hommes, on joue contre une équipe. Si on fait ces deux équipes, on peut bien sûr rien, mais peut-être la composante de cette chouïa avec la composante de la fresque. Ils ont joué avant, c'est comme nous. On respecte l'adversaire. Ils sont remontés, ils viennent jouer la défensive, on a joué une défense contre-attaque. On a forcé le destin. On a marqué en forçant le destin. Êtes-vous satisfait de cette condition? 3 points, c'est essentiel. Après, on a des corrections à apporter à l'interne pour qu'on apporte chaque match un meilleur visage. Est-ce que vous pensez que l'essentiel allait être à faire aujourd'hui avec les 3 points pour le sommet? Je pense qu'il n'y a que 3 points le maximum qu'on peut décerner à une équipe qui gagne. Donc, je pense que l'essentiel. Pourquoi le marqué est-il en première mi-temps? Parce que l'équipe en place, en face, ils étaient défensifs, ils avaient encore assez de jus dans les jambes. Et puis nous, avec la deuxième mi-temps, on a apporté quelques correctifs et puis on a trouvé la solution. Donc on a eu quelques occasions très très chaudes. Il y a eu même des déversements de la main, il y a des gens qui se jettent aussi sur le ballon pour essayer de défendre leur but. Donc on aurait pu mettre encore 2 ou 3 autres buts parce que les occasions et les intentions étaient. تطوير الكرة الجزائرية معناها الكرة تتطور الأكثرية في رجل اللاعبين وتقنين المشرفين، لكن بالطبع الحكام عندهم دور نزيه. احنا معناها شفنا الحكام قاموا بالدور بتاعهم، الأغلاط يعني تكون احنا بشرت
الحكام ولا اللاعبين الناس كلها باش تكون في ابرق بعدين المزايا كانت موجوده يعني الحمد لله قدر فعلا على نشكيو منها وان شاء الله في كل مقابله لما يقوموا بالقسم نتاعهم يكونوا معناها المقابله نشوف الشيخ هذه المصريه كثير الحكم في المباراه شبيه ما ياثرش عليا نفسيا ما يخلصش عليا ضغط في المباراه ما نعرفش مادام هما يعني حكام وقابلين الشيء هذايا احنا للاعبين ناخذ صوره ونجمعوا الناس كلهم يلزمهم هما اشياء باش يقوموا بها اللي تحفزهم باش يقوموا بالمهام نتاعهم. شكرا لك على الفلسفه اللي يطور الكره. ما قلت لك تطوير كره القدم موجوده بين رجلي اللاعبين والتقنيين والجمهور يساعد بزاف على التطوير اكثر من حكام. Félicitations. L'équipe de Budapest, c'est ce que j'ai posé avant le match, c'est une équipe expérimentale, c'est une équipe avec de bons joueurs, avec de bonnes expériences, avec des joueurs de qualité, ils ont beaucoup de qualité. J'ai compris en avant de match que cette match sera un match difficile et il a été un match difficile pour nous. Nous sommes maintenant en train de faire une construction d'une nouvelle équipe parce qu'ils sont venus presque 20 éléments nouveaux et nous avons besoin de temps pour créer une bonne équipe avec cet élément. Majorité de cet élément de 3e et 4e division. C'est-à-dire c'est difficile, je ne connais pas, c'est difficile de faire de bons résultats immédiatement. Tout le monde, j'ai parlé déjà dans la presse, pour nous c'est très important de faire cette année une bonne équipe pour l'année prochaine. Et on ne passe pas à premier rôle. Et nous ne voulons pas de jeu à la relégation. C'est des bons éléments, mais ils sont très très jeunes. Aujourd'hui, je pense que c'est la victoire de l'équipe de Belavé, c'était méritoire. On méritait la victoire, mais dans le football, le football a besoin d'un peu de chance. C'était notre malchance de l'ordre de Belavès. Mais bon, en général, c'est une victoire de l'équipe qui a agi mieux que nous aujourd'hui. Il a mérité la victoire. Coach, c'était un peu difficile de perdre un match sur un coup de pied arrêté. C'était un peu difficile de perdre un match sur un coup de pied arrêté. Ah, ça c'est difficile, bien sûr. Nous travaillons toujours, mais c'est dans pas l'arrêter, mais je vous avais dit, nous avons des joueurs bons, mais il y a des joueurs pas d'expérience. Et c'est pour ça, dans les moments très difficiles de match, il fait des fautes. Et voilà, c'est le deuxième match, nous n'avons pas la possibilité de gagner. Mais on verra ensemble. Je suis content de ma équipe parce que demain, je l'autre, il fait des progrès. Ce sont des jeux qui ne sont pas connus. Moi, je n'ai que des jeux qui ne sont pas connus dans le football professionnel brésilien. C'est pour ça que je suis content que nous avons fait un bon match aujourd'hui contre la défense, contre cette équipe de Belavès qui est parmi les meilleures équipes de championnat. Coach, une petite question. Quel est le secret que je suis venu premier, je vous dis que la secret. Je suis venu en 2003 quand l'équipe de Chaouya il a accédé à la première division. Après, nous avons commencé le championnat de 7 matchs, nous n'avons pas perdu. Dans 7 matchs, nous avons gagné à l'Ousmane, nous avons
gagné à Blida, nous avons gagné à Porto-Rivis, nous avons gagné à Clemson dans sept matchs. Et c'est pour ça, c'était une autre histoire. Lorsque nous avons gagné à Ousmane, c'était la mort de mon père. Et c'était le match télévisé, tout le monde d'Algérie l'a vu. J'étais dans l'arbre, j'ai pleuré, mais nous avons gagné contre une grande équipe de Ousmane. Et c'est pour ça, parfois je viens, mais nous avons fait, il y a quelques années, nous avons fait une accession, parce que l'équipe était mal, mais après nous avons fait une accession. Après, je suis parti en Émirat, j'étais parti en Oman, deux années, et toujours je reviens à Chaouya, l'Algérie, c'est la deuxième maison pour moi. C'est ça les explications, pourquoi je reviens toujours, surtout à Chaouya. Bien sûr, s'il y a des autres équipes qui ont besoin de moi, un jour, peut-être que le travail, peut-être dans une autre équipe. Mais maintenant, c'est mon ami, c'est le président, c'est mon ami, c'est vraiment un ami de famille. C'est pour ça que je suis à la Chaouya comme à la maison. Merci, merci aussi. Merci.